Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais. Alors exceptionnellement je me suis assise. J'aime pas m'asseoir quand je fais des vidéos parce que ça fait feignant. Enfin c'est que mon point de vue, hein. Y a rien de péjoratif dans ce que je dis là, bien évidemment. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'aime pas m'asseoir. Mais vu qu'il pleut, c'est un temps de merde. C'est qu'à le dire, hein. Excusez-moi. Bah je suis obligée de me mettre à côté de la fenêtre. Donc j'ai pas le choix. Voilà, je trouve, je suis à contre-jour et on voit encore deux fois moins. Ça serait couillon quand même. Mais vu que j'ai pas de retour caméra, et ben je vois pas. Wookie, oui! Oui, oui, mon petit chat! Enfin bref, tout ça pour te dire que dans cette vidéo, et bien je vais te montrer les créations que j'ai réalisées en résine récemment. On est en octobre, donc là je les ai réalisées en septembre. Enfin non, quand tu verras cette vidéo là, ça sera même, on sera le 2. Le 2 novembre? Déjà? Non. Oh putain, ça passe vite. Mais je les ai réalisés en septembre, mais je les ai laissés dans une boîte au noir, seule, tranquille. Parce que la résine, si tu la laisses à l'air libre, au soleil, alors que tu viens de les réaliser, elle va vite jaunir. Donc il faut les laisser enfermer dans le noir pendant minimum 2 semaines. Moi je les ai laissés un peu plus. Mais c'est pas grave. Bref, du coup, voilà. J'ai encore bugué. Je vais te montrer les créations que j'ai réalisées en résine, là, il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, pas besoin de savoir quand est-ce que c'était. On s'en fout. Donc, ils sont toujours enfermés. Voilà. Ils étaient enfermés dans une boîte, dans un tiroir et là-dedans. Tu sais, le petit truc que j'avais réalisé en DIY, là, avec du tissu de chez Action. Et bah, tous mes bijoux tiennent là-dedans. Et enfermés dans une boîte et après dans un tiroir. Donc je te jure qu'ils étaient dans la nuit totale. Ils étaient bien, ils étaient contents. Bref, tous mes petits bijoux, ça a l'air de rien comme ça, mais il y en a une vingtaine. Donc on va pas trop traîner et je te montre tout de suite les créations que j'ai réalisées en résine. Alors pendant que je m'amuse à tout démêler, je te le redis en même temps, parce que je l'avais dit dans une autre vidéo. Mais en fait, dans les bijoux en résine, il y en a aussi qui sont en polymère. Parce que j'avais fait de la polymère, mais je me suis dit, non, faut que je fasse une petite couche de résine. Donc je les avais mis en stand-by. Tu comprends ce que je veux dire? T'arrives à me suivre, c'est trop fort. Alors là, c'est génial. Du coup, ouais, dans cette vidéo, il y a des bijoux aussi en polymère, mais en résine. Un mix des deux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a aussi des bijoux qui sont encore en stand-by que je n'ai pas encore fini. Que je dois rajouter quelques petites choses en plus. Mais voilà. Tu vois ce que je veux dire. C'est quoi que j'ai fait tomber? J'ai fait tomber quelque chose, je sais pas ce que c'est. Et je ne vois rien. Et putain, j'ai mon téléphone qui me rentre dans les côtes, ça fait mal. Ah ben, lumière. Il fait tellement nuit. Bah je vois rien. T'es sûr que j'ai fait tomber quelque chose? Bah je vois rien. Bon, voilà, ça y est, j'ai fini. J'ai tout trié, j'ai tout démêlé. Pas mes cheveux. Et on va commencer avec tout de suite ce qui reste en stand-by pour le moment. J'ai bouillé. Faut que je me mette là. Reviens par là, cocotte. Bien. T'es mieux là. C'est parce que j'ai changé de place. C'est de pire en pire là, putain. Cette vidéo elle est pourrie, hein. Je suis désolée, mais je ne contrôle pas la météo et j'ai pas d'autres jours pour pouvoir faire cette vidéo. J'ai pas le choix. Donc je disais, ouais, j'ai des petits bijoux qui sont pour l'instant en stand-by. Que... Il y en a certains, j'ai déjà des projets avec, et d'autres où je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais c'est pas grave, hein, on trouvera bien. Ou pas, parce qu'il y en a qui sont pas très jolis. On verra bien. Bref, du coup, pour commencer, j'ai 5 nouveaux petits cadres en résine. Donc ça, je sais, j'ai plein de possibilités avec ça, donc il n'y a pas de souci. Bon, exceptionnellement, pour les bijoux en résine, il n'y aura pas de boucle d'oreille offerte assortie en cadeau. Mais il y aura quand même des cadeaux avec, mais pas en résine. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Bye.
Voilà mes 5 nouveaux petits cadres en résine. Ensuite j'ai des plus petits cabochons, mais je les ai faits à l'aveuglette, en fait je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait obtenir, et la plupart ils sont pas terribles quoi. Il y en a que 2 que j'aime bien sur tout le lot. Donc je vais voir ce que je vais faire de tout ça. Il y en a 4 à mon avis qui vont partir à la poubelle. Sont aussi en stand-by, vont accueillir des petites fées ou des petites sirènes, non, surtout des petites fées, très prochainement. Il y a un petit camé, des estampes, une paire d'ailes et un petit diamant, on va appeler ça comme ça. Voilà. Donc pour le camé, il est en polymère, le fond est en polymère et j'y rajoute la résine par-dessus. Ensuite les deux bijoux suivants ils sont pour moi. Le premier n'était pas censé être pour moi, il était censé aller sur ma boutique, mais malheureusement il a eu quelques petits défauts que je peux pas le mettre en vente, c'est pas possible, il est pas joli, ça fait, le rendu n'est pas beau, mais pour moi ça me convient très bien, je suis contente d'un côté. Je récupère un petit truc, c'est un petit peigne, une barrette pour mettre dans les cheveux, vu que comme je l'avais déjà dit j'aime bien faire les petits chignons et que je voulais une petite barrette, et là ça tombe bien. En fait, là, le gros défaut qu'il y a, c'est que j'ai foutu plein de résine sur les plumes et elles sont dures. Elles sont plus aussi... Celle-là, oui, elle est bien. Elle est restée bien, mais les autres, elles sont dures. Elles sont tout est collé. Ça fait dégueulasse. Même quand tu touches, c'est... Bref. Donc, du coup, voilà. Je suis obligée. Je me sacrifie. Et je la garde pour moi. Ça tombe bien, je l'aime bien. Mais non, mais t'imagines ? Regarde. Ah merde, attends, j'ai encore un nœud là. C'est quoi cette connerie, je les ai démêlés. Bon, on va rien voir là. C'est hier plus à fond. Putain. Bref, voilà, j'ai une petite barrette pour moi. Donc je suis contente. C'est un collier de l'amitié, c'est pour une amie à moi. Et l'autre moitié est censée être pour moi. Donc voilà, on s'est fait des petits. Enfin, j'ai fabriqué des petits colliers de l'amitié. Bleu avec des papillons, parce que toutes les deux, on aime le bleu et les papillons. Voilà. On aura chacune notre moitié de cœur. Avec des papillons. Voilà. Donc ensuite on va passer aux bijoux en polymère et résine, et il y en a 4. Ouais, il y en a 4. Donc le premier, il est tout en doré avec une jolie petite plume dorée, et c'est le fond à l'arrière qui est en polymère. Le deuxième, c'est un sautoir, je crois que c'est... Non, c'est... Ouais, c'est peut-être le seul sautoir que j'ai fait en résine, là, récemment. Bref, on s'en fout. Il y a un effet bois et avec une feuille squelette. Donc l'effet bois est en polymère et le reste, c'est en résine. À part la feuille. Et le cadre. Enfin bref, t'as compris, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et les deux
deux autres bijoux en polymère et résine, c'est les deux... Enfin, non, c'est pas les deux mêmes, hein, mais c'est le même... c'est sur le même thème. Le même, ils ont pris quasiment le même aspect. Enfin bref, c'est un effet bois. Une écorce d'arbre, plus précisément. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire. Avec des petits pichignons. J'ai toujours dit ça quand j'étais petite. J'ai toujours appelé ça des pichignons. Et un effet eau, comme une petite rivière qui coule tout le long de l'écorce. Ensuite, j'ai réalisé plein de petites paires de boucles d'oreilles. Plein. 6 ? Je crois qu'il y en a 6. Alors, on commence avec la première. Donc, on commence avec la première. Ce sont des petites perles un peu dans un style holographique. En fait, à l'intérieur, c'est des feuilles de foil. Foil. Et j'ai rajouté quelques petites paillettes et des microbilles. La deuxième paire, c'est encore des petites perles, toutes rouges. Il y a une feuille squelette rouge à l'intérieur. J'ai aussi rajouté quelques petites feuilles d'opale. Et il y a une paire de ailes de papillon dans chacune des perles. La troisième paire, c'est encore des petites perles, et cette fois-ci tout en bleu. Plein de petites gouttes bleues, comme un tourbillon, un volcan. Enfin, volcan, non, mais ça me fait penser à plein de petites choses, ce genre d'effet-là. Comme une explosion. Moi, j'adore, je trouve ça trop joli. Troisième paire, c'est sur le thème de Alice au pays des merveilles, avec un effet holographique suivant la couleur, enfin la lumière, les couleurs sont changeantes. La cinquième paire, c'est ma préférée, je les adore, celle-là, je les trouve trop mignonnes. C'est des petites tortues. J'ai essayé de faire un petit dégradé à l'intérieur, du bleu au vert. Et pareil, j'ai encore ajouté des paillettes d'opale à l'intérieur. Et il y a quelques petites microbilles aussi à l'intérieur. Et la dernière petite paire de boucles d'oreilles pour les fifilles, pour les petites fifilles. C'est des petites licornes, tout en violet, par mauve, lila, t'appelles ça la couleur que tu veux, mais aussi du violet. Avec plein de paillettes, bien évidemment.
on termine avec les colliers. Il y a plein de petits colliers en résine. Alors c'est parti, on y va tout de suite. Et on commence avec les estampes. Une petite estampe fleur avec une espèce de dégradé vite fait dans les tons bleu et vert. Ensuite, encore une petite estampe fleur dans les tons bleus. Et une autre petite estampe papillon dans les tons bleu, violet, rose. On reste dans les papillons avec un papillon double face. Il y a un côté avec une estampe et l'autre côté un papillon en résine, quoi. Dans les papillons, et bien j'ai celui-ci tout en rose et argenté avec une petite fée en plein milieu et plein de petites paillettes. Alors celui-là, honnêtement, s'il n'avait pas été rose violet, je l'aurais gardé pour moi parce que je l'adore, il est trop, je l'adore. Dernier papillon, et pas des moindres, le plus grand, tout en rouge, sur une jolie petite clé. Enfin petite, tout est relatif. Ensuite, j'ai un collier steampunk avec des petits engrenages. Ensuite, j'ai ces petits chatons tout en argent qui jouent avec une petite goutte, une petite perle. Voilà, je trouvais ça rigolo, aussi du mignon comme tout. Ensuite, un petit bijou pour soutenir nos amis les abeilles. Avec plein de petites alvéoles de miel. Ensuite, j'ai ce petit collier avec mon ami la nature, les petites fleurs. Voilà, tout ce que j'aime. L'avant-dernier bijou, et bien c'est pour aller avec les boucles d'oreilles de tout à l'heure.
C'est une petite licorne avec plein de paillettes. Et il y a un strass pour remplacer son œil qui n'existait pas. Je me suis dit, oh, ça fait couillon là, faut que je rajoute quelque chose pour son œil quand même. Bah voilà. Et le dernier, vu que j'en avais fait un pour moi, eh bien j'en ai fait un également pour la boutique. C'est le collier de l'amitié. Et cette fois-ci, il est tout en bleu avec des feuilles d'opale. Plein de paillettes à l'intérieur. Voilà, j'ai fait le tour. Alors le moment que je redoutais le plus, je vais devoir allumer la lumière, mais j'aime pas parce que ça va faire un éclairage jaune pourri, mais je pense que ça sera mieux que d'être dans la nuit. Alors je vais allumer la lumière. On y voit déjà un peu plus clair, hein. Mais bah, j'aime pas la lumière, elle est jaune, c'est chiant, ça me saoule, j'aime pas. Bon bref, du coup, eh bien, j'ai fait tout le tour. J'ai fait tout le tour de mes petits bijoux en résine. Donc voilà. Si tu veux dire, j'ai rien d'autre à dire. J'ai encore un peu de résine en stock, donc je vais pouvoir faire d'autres bijoux en résine. En plus, j'ai plein d'autres petites idées qui me sont apparues au fil du temps. Donc du coup, voilà, enfin, je me ramuse à faire un peu de résine. Moi, je suis contente, j'aime bien. Tu te tais, toi. Commence pas. J'ai bientôt fini, là. Laisse-moi finir. T'as rien dit depuis tout à l'heure. Ouais, petits bisous, t'as raison. Et puis bah c'est tout hein, ouais. Donc tous ces petits bijoux là sont bien évidemment disponibles sur ma boutique. Moi je dis ça, je dis rien, et tous les liens sont en barre d'infos. Et j'y arrive plus à parler, c'est horrible. Et c'est tout. Je cherchais depuis tout à l'heure, maintenant je crois que j'ai rien d'autre à dire. J'ai la mémoire qui flanche, c'est horrible, ça m'énerve. Oh. Bon bref, allez, du coup je vais couper court à cette vidéo et je te fais tout plein de gros poutous. Je te retrouve très vite vendredi pour la vidéo des créations du mois de septembre. Non, octobre. Bah je suis perdue. Bah oui, on est en novembre, donc octobre. J'ai me coucher, je crois. Je suis fatiguée. Je dis que des bêtises. C'est pas bien. Bon bref, allez, je te fais tout plein de gros poutous et je te retrouve vendredi. Ah, le mercredi. Je te retrouve vendredi pour la création, pour la vidéo des créations du mois de septembre. Non, octobre, on va y arriver. Allez, laisse tomber, on verra ça au moment venu. Et moi, je te fais tout plein de coups de doux. À très vite, vendredi. Oui, allez, bye. Oh, purée. J'en ai marre de moi. Là, il faut que je range tout ça. Je suis motivée. Ça, c'est les vacances. Pendant que tu verras cette vidéo, c'est plus les vacances. Mais là, c'est encore les vacances. Et je suis encore plus crevée. Parce que j'ai les filles H24 avec moi. Et c'est saoulant. Aïe, aïe, aïe.